Excellentissimo, Seigneur Président. Excellence, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, Mesdames, Messieurs. Au nom de Son Excellence, Monsieur Obiang Nguema Bassogo, que je représente ici, Président de la République de Guinée équatoriale, je voudrais avant toute chose adresser mes chaleureuses félicitations à Son Excellence Monsieur Philemon Yang pour son élection à l'unanimité à la présidence de cette 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Je félicite également les membres du bureau. Vous pouvez compter sur l'appui et la collaboration pleine et entière de la République de Guinée équatoriale lors de votre mandat. Je joins à ces félicitations Son Excellence Monsieur Denis Francis, notre président sortant. Sa présidence aura vu l'adoption de résolutions très importantes qui témoigne du rôle de chef de file qu'il a eu et de l'élan qu'il a su imprimer lors de sa présidence. Monsieur le Président, notre session de cette année est convoquée autour du thème suivant. Ne laissez personne de côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. C'est un thème qui résonne avec l'actualité mondiale, qui aujourd'hui présente des défis considérables comme les conflits, les groupes armés qui sont de plus en plus nombreux et enhardis, le terrorisme, la crise causée par le changement climatique, la criminalité transnationale organisée et des crises sanitaires qui se profilent à l'horizon. Il y a également les discriminations, la crise alimentaire qui est la conséquence des conflits armés. Il y a également la famine qui peut apparaître dans différents pays en raison justement de ces conflits armés. Face à ce paysage lugubre, nous devons tous accorder une plus grande priorité au multilatéralisme, mais également à la coopération internationale. Aujourd'hui, nous en avons plus que jamais besoin pour relever ces défis mondiaux auxquels l'humanité se heurte aujourd'hui. Nous devons également promouvoir davantage la croissance économique durable ainsi que le développement durable, et ce, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et des dernières conférences tenues par notre organisation. Notre pays, la Guinée équatoriale, ne varie pas dans sa position face aux conflits en cours aux quatre coins du monde. Nous avons toujours dit, et nous le répétons aujourd'hui, il faut accorder la priorité aux moyens pacifiques pour faire prévaloir la paix dans le monde. Nous pouvons pour cela nous appuyer sur la diplomatie préventive, les négociations et les dialogues inclusifs pour venir à bout de tous ces conflits. Je tiens ici à lancer un appel depuis cette tribune aux pays aux prises au conflit, mais également aux gouvernements qui, de façon directe ou indirecte, sont impliqués dans ces mêmes conflits, mus
par des intérêts géostratégiques, économiques, néocolonialistes ou encore d'autres natures. Nous les appelons à accorder la priorité au dialogue et aux négociations inclusives de manière réaliste, mais également pragmatique, afin de résoudre ces conflits. La prolifération de tous ces conflits aux quatre coins du globe est le signe patent de l'obsolescence et de l'incapacité, mais également de l'inefficacité qui caractérise aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe décisionnel de notre organisation, défendent leurs intérêts géostratégiques par-dessus tout, ce qui complique de plus en plus la prise de décision unanime qui autrement permettrait de résoudre ces situations de conflit et d'atténuer la souffrance des populations et d'éviter la perte de vies innocentes. C'est la raison pour laquelle il est urgent, plus que jamais, de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, il s'agit de mettre fin à sa composition obsolète qui remonte à 1945 et qui perdure encore aujourd'hui. Et notre continent, l'Afrique, aujourd'hui, en est la principale victime puisqu'elle subit une injustice historique et l'absence d'application du droit international. En effet, c'est le seul continent qui ne soit pas représenté de façon permanente au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique, dans le cadre du consensus des Ulwini et de la déclaration de Sirte, réclame, et ce depuis plus de 20 ans, la correction de cette injustice. Voilà ce que nous demandons. L'octroi à l'Afrique de deux sièges permanents dotés de toutes les prérogatives et droits réservés aux membres de cette catégorie. Nous réclamons dans le même temps 5 sièges supplémentaires non permanents au sein du Conseil de sécurité. Nous espérons que les contacts qui sont en train de se nouer à l'occasion de cette session entre les membres permanents du comité des 10 de l'Union africaine permettront d'arriver à des résultats qui bénéficieront toutes les parties intéressées. L'objectif étant d'avoir un Conseil de sécurité qui soit en mesure de promouvoir un monde qui soit plus juste, plus pacifique, plus équitable et plus prospère pour toutes et tous. Monsieur le Président, la Guinée équatoriale est vivement préoccupée par la situation de plus en plus grave que connaissent les pays du Sahel. Cette situation, comme nous le savons, a des implications extrêmement négatives pour le développement de ces pays. Mais elle affecte également, de façon directe ou indirecte, les pays de la sous-région. Cette situation, nous le savons, c'est le résultat des ingérences, des pressions et des blocus dont les pays du Grand Sud sont l'objet de la part de certains pays. Et nous savons que le seul dessein de ces pays, c'est de déstabiliser et de paralyser les efforts des pays africains pour parvenir à la prospérité de leur peuple. Il n'est pas un seul pays qui soit épargné par des problèmes internes. Toutefois, certains pays se sont posés en juge et arbitre pour intervenir et faire la leçon à d'autres pays qui sont aussi souverains que du reste. En ce faisant, ils s'ingèrent dans leurs affaires internes. C'est une ingérence manifeste que nous observons au quotidien. Tous les pays du monde, comme nous le savons, ont le droit de décider avec quel pays ils veulent nouer des relations, avec quel pays ils souhaitent signer des accords bilatéraux. Des accords qui bénéficient à leur gouvernement et à leurs peuples respectifs. Monsieur le Président, nous ne comprenons toujours pas pourquoi il n'a pas été possible jusqu'ici de lever l'embargo contre Cuba. Cet embargo, ce blocus économique, commercial et financier qui dure depuis des décennies. La Guinée équatoriale tient à lancer ici, depuis cette tribune,
un appel en faveur de la levée immédiate de l'embargo qui vise Cuba et son exclusion de la soi-disant liste des États qui soutiendraient le terrorisme. La levée de cet embargo est plus que jamais nécessaire alors que nous venons d'adopter par consensus le pacte pour l'avenir qui appelle à ne laisser aucun pays à la marge. De toute évidence, les économies africaines ont le potentiel de devenir des parties intégrantes et importantes des chaînes d'approvisionnement mondiales en s'appuyant sur leur vaste stock de ressources et de matières premières qui pourraient être utilisées pour la technologie de pointe et pour les marchés de consommation en croissance. C'est la raison pour laquelle l'Afrique mérite une attention toute particulière dans le cadre des initiatives d'appui et de financement du développement. Il faut que les engagements de financement du développement durable soient suivis d'effets. Cela est essentiel également pour réaliser les objectifs de développement durable et du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit également de ne laisser personne pour compte. La Guinée équatoriale, pour sa part, est attachée à la promotion et à la protection des droits humains, mais conçue comme un sujet mondial. Il s'agit également de défendre les droits des enfants, d'éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d'intolérance. Il s'agit également de défendre les droits des personnes en situation de handicap, le droit à l'alimentation, au logement, le droit des pays à exploiter et à commercialiser les ressources naturelles pour ainsi répondre aux besoins de leurs populations respectives. Dans ce contexte, Monsieur le Président, nous devons défendre également les droits humains. Malheureusement, aujourd'hui, nous assistons à leur violation systématique dans les conflits armés. Conflits armés qui privent les populations des zones en conflit de l'aide humanitaire nécessaire, qu'il s'agisse d'aliments, tout comme de soins de santé. La Guinée équatoriale exprime sa vive préoccupation par rapport à la crise que connaît actuellement Haïti. Nous estimons qu'il faut mener une analyse en profondeur de la situation chronique que connaît ce pays frère. Il nous faut trouver une solution durable. C'est pourquoi nous continuons de proposer la tenue d'une conférence internationale des Nations Unies consacrée à Haïti. Pour conclure mon propos, je renouvelle mes vives félicitations à notre frère, Son Excellence Philemon Yang. Je lui souhaite plein succès lors de cette 79e session de l'Assemblée générale et je l'assure du plein appui de la République de Guinée équatoriale. Je vous remercie.